Vidéo so pral gade la ka fò tris an pil. Li ka mete dlo nan jè ou. Mèm oblije montre li paske son moun mèm jan avè ou. Ti fi sa rele Adeline. Li gen 20 ans depi l'ap soufri ak yon maladi. E se grâce ak bon Dye epi si po apare sa ki fè l'ap viv toujou. San apare sa, li pap ka viv. M konnen sa touche ou e m pral rakonte ou tout istwal. Mais avant nous continuer avec vidéo, m'a bosse seulement 5 secondes pour cliquer sur pouce en l'air pour j'aime vidéo et puis sur bouton rouge qui marqué abonner, mettez petite cloche là sous toute, yon façon pour pas rater aucun nan vidéo que n'a posté. Et si toutefois poko sur groupe WhatsApp et Telegram Top Produit, link yo dans commentaire ou bien écrit nous dans numéro ça, n'a intégré. Adeline gen 27 ans et li c'est deuxième petite famille. Li malade depuis plus que 20 ans. Li gen difficulté pour le respirer et li doit gon appareil pour aider le respirer. Ti fi sa pa arrivé ka fè rien du tout. Même manger li pa ka manger pour compte li. C'est un autre monde qui doit faire tout bagay pour li, commencer sous manger, baigner avec plusieurs autres bagay que c'est monde qui pour aider le fè yo. C'est maman qui fait seulement qu'il a toujours là pour lui. Li di quel que soit ça qui rive, l'a toujours là pour petite fille. Adeline a souffri depuis plus que 20 ans et en pile moun pense que li pa existé encore. L'a vivi une vie qui très difficile et maman pral di nou plis sou problème li yo. Li di que tout bagay te commencé en 1999, lè Adeline te gen 7 et 8 ans. Li te couché a respirer fort et l'a toussé yon façon drôle. Et c'est depuis là que maman sa te commencé à promener dans plusieurs l'hôpital avec. Premier examen a montré que li souffri yon bronchite. Et yo te dit que petite fille la traité très bientôt, li pas besoin trop inquiéter, tout bagay pral aller mieux pour li. Jour a passé, médecin te continue à traiter ti fille. Mais traitement te échoué, médecin pa joine une solution. Yo te ensuite transféré nan plusieurs hôpital qui gen renommé, mais yo pa jam jwenn une solution pour ti fille. Depuis que maman sa te divorcé de Maril en 1997, 2 ans avant petite fille la te commencé souffrir maladie ça, li te gen di mal pour payer traitement l'hôpital yo pour ti fille. Li te obligé à vendre sa gagnen pour te ka faire soigner ti fille. Li te commencé vendre bœuf parce qu'elle te gen plusieurs. Enfin, li te vann tout bagay. Li vann tout terre qu'elle te possédé pour aider Adeline jwenn yon traitement avancé pour soigner maladie ça. Li te fait tout ça le capable pour sauver la vie petite fille là, mais sans solution. Li prêté, li vann pi fòs sa te possédé, mais hélas, aucun guérison. C'était en vain. Enfin, yo te dit que seule solution qui possible pour la vie petite fille là, c'était acheter un appareil assistance respiratoire. Appareil ça était tellement cher, li pa jam kontande yon tel prix comme ça. Yon bagay si cher comme ça, li pa jam ko touche l'argent ça ak mel. Maman ça te renoncé. Li te dit le prêt pour le faire face à ça qui pral rive a parce que li pa gen tout comme ça. Et comme li pa konn ça qui pral passer après, yon bagay te rive yon façon qu'il pa t'attend. Plizye moun te pale de situation maman sa et plizye bon samaritain te edel. Yo te bay l'argent pour te ka jwenn appareil sa pou ti fil la. Et ça te semblait impossible pour li a, li vin possible. Li kontan kounya et li vraiment reconnaissant à moun ki edel jwenn appareil sa pou aider ti fil la respirer. Mais appareil électrique sa li consommer en pile énergie électrique et maman sa di sa trop pou yo. Parce que prix électricité dans Kaela li multiplié par 20 depuis les appareils arrivé. Li consommé trop courant, ça qui fait dépenser en pile l'argent pour yo payer électricité. Alors que li pauvre, li pa gen possibilité pour la payer tout comme ça chaque temps. Ça qui rend bagay yo pi difficile parce que appareil ça très important, li doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après boule trop courant, yo dit comment li doit utiliser appareil ça. Li doit gen de l'eau traitée et puis ajouter un médicament après pour brancher appareil ça sous courant. Tout ça yo, c'est acheter pour l'acheter.
Après appareil la fin démarrer, toute salle doit faire, c'est mettre petit blanc dans une petite fille là pour le capable respirer à l'aise. Jeune fille 27 ans ça, li ka vive seulement 1 heure sans appareil ça dans elle. L'a mené en vie très difficile parce qu'elle doit dormir ou bien chita dans en position pour que appareil là ka toujours fonctionner correctement. Maman ça pas gain l'autre bagaille l'a fait qui fait jardin. Li doit lever bonnet dans matin, habiller, préparer pour li aller dans jardin. Li consacre toute ville na agriculture. Et tant qu'on pile moun dans village là, agriculture c'est mode de vie yo. C'est de ça yo vive. Selon histoire yo, civilisation a commencé avec agriculture. Et même si l'humanité vient changer, agriculture toujours été très important. Tout pays dans monde là dépend de agriculture. Et c'est pour ça maman Adeline doit lever chaque jour soit pour cultiver ou bien récolter. Après li saute dans jardin, li doit commencer préparer déjeuner pour ti fia. Parce que li té levé bonnet li parti, ti fia té rete pou kont li grand goût dans kayla. Fait tout ça pour kont li alors que li grand moun, ça son l'autre défi que maman ça a confronté. Comme li pa gen aucun l'autre moun pour aider, li pa gen l'autre choix que fait tout bagay pour kont li. Li fait manger et les manger après li doit aller directement dans chambre Tifia pour mettre dans bouche li. Tifia tellement faible, li pas même qu'à lever on qui est manger pour compte li. Si maman ça parle un jour, Tifia mourir grand goût même si manger à devant. C'est vraiment difficile. Tant que j'ai au condil, comme bon Dieu parle à tout côté, li créer maman yo. Maman ça c'est un véritable source d'inspiration. C'est un maman qui sorti dans ciel. Li levé prend soin petite fille là pendant 27 ans. Et li vraiment content pour continuer contribuer dans bonnet petite fille. Faut qu'yo mette Adeline dehors chaque jour parce que li pas arrêter pour compte li en dedans. Ça qui signifie appareil là tout doit sortir dehors. Mais comme li lou et que maman ça pas qu'à lever appareil ça pour compte li, li doit relayer un voisin pour aider. Bien que maman ça fait un pile bagaille pour compte li pour aider Tifia, mais ça li pas ka faire pour compte li. Maman ça l'a demandé aide. Li dit que prix électricité a, li pas ka payer pour compte li. Ou ka aider à sauver la vie Adeline dans lien qui dans description vidéo a. On connaissait pas tout monde qui a possibilité pour aider sous lien. Même souhaiter gain quelques grain monde qui capable. Lien dans description vidéo a. Le fait que nous passons en pile moment difficile, ça ka apprendre nous en pile bagay. Et ça ka fait nous apprécier moment qui pas difficile yo. Toujours gen moment difficile dans quel que soit ça n'a fait dans la vie. Mais nous doit capable supporter moment ça yo et puis kembe objectif nous. Pas oublier d'une soit penser en bas dans commentaire, c'était un plaisir. Malen n'attendem dans l'autre vidéo.